Hey, le loser, ça bounce? Ah non, pas lui. Mais pourquoi tout le monde m'appelle comme ça? Tu veux démarrer un face-to-face de propos blessants? C'est parti! Je te trouve trop isocèle quand tu te déplaces. Je fais des pas funky, c'est tout. Tu peux pas tester. Mes jambes n'en font qu'à leur tête. Ah mais dis donc, t'aurais pas pris du beat, toi, par hasard? Non, ça t'inquiète, c'est pour arrondir les angles. Par contre, toi, t'entends de grâce qu'un hippopotame. J'ai un charisme d'aigle royal. Tes propos ont un arôme de jalousie. Je renifle de la haine dans ton haleine, je vois de la peine dans tes veines. Quand je pense à toi, j'ai envie d'étrangler un bison à main nue. Ça, c'est à cause de la crise financière encore. Sinon, t'as vu ce qui se passe? C'est la grande folie. J'ai rien remarqué de particulier, la vie suit son cours. Tu te moquais de moi? Et le président a annoncé ce matin à la radio que les extraterrestres devraient pas tarder à débarquer. D'après les experts, ils ont provoqué un séisme et un tsunami au Japon pour faire diversion. Ils sont déguisés en chimpanzés et voyagent à bord d'OVNI immatriculés H500. Alors là, c'est le pompon sur la Garonne. T'es devenu complètement frappadingue, mon Jean-Louis. Et regarde, derrière toi, le singe. Il a pas vu le singe. J'y crois pas. Tu vois pas les martiens déguisés en bonobo? Il y en a partout, c'est l'apocalypse, je te dis. Non, tu dois avoir des hallucinations visuelles. Il débloque ce petit bonhomme. Arrête de regarder l'identité, ça te rend parano. C'est bizarre, j'entends des chants d'oiseaux quand tu me parles. Ta voix est délicieuse, sincèrement. Merci, mais j'ai pas encore parlé. De plus, ta beauté est éblouissante. Je crois que t'as avalé le soleil par inadvertance. Tu rayonnes, même ton ombre est lumineuse. Oh là là, j'ai mal à la tête. J'ai l'impression de voir des ovnis partout aujourd'hui. Un loser! Alors, on dit pas bonjour à Oncle Ben? Je prends ma respiration. Au frère jumeau du petit ami, de la sœur, du fils, du père, de la copine, de la tante, à la cousine, de l'oncle, de Lady Gaga? Débile, débile, débile! C'est un peu l'asile ici, non? Tu me le fais pas dire. Non, on est des esprits sains dans des corps sains, des adeptes du manger-bouger. C'est la Saint-Patrick, donc il a mangé liquide, ce qui explique son état modifié de conscience actuel. Hé, mais il parle de moi, là! Si l'Eden traverse, je peux te faire un uppercut. Je sais pas si tu percutes. Et moi, je peux te laisser une cicatrice sur la joue en un coup avec un genou. Le clash, on va éviter. Sinon, de balle, ton corps sera criblé. Toi, tu veux toujours tout faire péter. Je sens que vous allez bien vous entendre, tous les deux. Ça risque d'être rock'n'roll cet après-midi. Ah, il faut fêter l'arrivée des martiens aussi.